on va commencer à créer notre première page web ensemble. On va y aller étape par étape. On va suivre, ça va être un exercice dirigé. Donc, vous allez suivre les instructions. Vous allez pouvoir reproduire exactement ce que je fais et où on aura notre première page web de fait après cette vidéo. La page web va être simple. Je vous montre à quoi elle va ressembler. Je m'en viens ici. Donc, la page web, elle est vraiment simple. Okay? J'ai une première image ici. J'ai une ligne en haut. Hein? On ne la voit pas beaucoup, mais j'ai une ligne ici en haut. J'ai une ligne tout de suite après l'image. J'ai un premier titre. J'ai un autre titre d'un autre niveau. Après ça, j'ai un premier paragraphe. J'ai un deuxième paragraphe. Dans ce paragraphe-là, j'ai un lien qui m'amène vers la documentation sur les langages de balise HTML. Et j'ai une deuxième image ici. Donc, c'est une page simple, il n'y a pas de CSS, ce n'est que du HTML. C'est pour commencer à se pratiquer à créer nos premières pages. Juste vous montrer, lorsque je prends mon navigateur, que je le rapetisse, on voit que les paragraphes, ben, ils sont faits exprès pour s'ajuster. Okay, ils vont prendre la largeur de la page web, ce que j'avais parlé du viewport, donc de ce qui est affiché ici. Et on voit qu'en faisant ça, ben, l'image en bas descend un petit peu. Donc, c'est les caractéristiques d'une page web comme ça. Et on peut voir que plus j'agrandis, ben, plus la balise que j'ai ici va prendre toute la place. Et la balise P que j'ai là, et la balise HR, une balise aussi pour faire une ligne, prend toute la place au complet. Tandis que la balise image, elle ne prend pas toute la place, va prendre simplement la place de son image et l'autre image aussi. Donc on verra ça un petit peu en détail lorsqu'on va commencer à travailler notre page web. Donc, je masque ça ici. J'arrive ici dans WebStorm. Okay, j'ai déjà ouvert mon WebStorm. Ici, la présentation est un petit peu différente de ce peut-être que vous avez vu. Moi, j'avais déjà fait une première vidéo, donc j'avais déjà un projet. Donc, les projets que vous avez déjà travaillés vont se retrouver ici à gauche. Vous pouvez simplement, si vous ne vous tente plus de voir ce projet-là apparaître là, on peut simplement le fermer et là, on retrouve l'interface comme si on était au départ. Mais habituellement, c'est agréable. On a toujours les derniers projets affichés à la gauche ici. Donc, moi, ce que je voudrais faire, c'est de me créer un nouveau projet. Donc, je vais aller dans « Create new project ». Et là, on l'avait déjà peut-être vu un petit peu dans une vidéo, mais il y a beaucoup de projets possibles avec des librairies. Moi, ce que je voudrais présentement, vu que c'est un petit projet très simple, on va y aller avec un « Empty project ». Donc, par contre, ici, il faut vraiment indiquer où on veut mettre notre projet. Donc, moi, je vous conseille beaucoup de mettre toujours vos projets à la même place. OK? Sur Mac, j'ai un document ici où je peux créer mettre mes documents avec mon compte sur mon Mac. Vous avez la possibilité de faire la même chose sur un PC. Je vous conseille réellement d'aller mettre vos sites web que vous allez faire pour le cours, toujours à la même place, donc dans documents, ou peut-être dans un disque dur externe, que si vous avez des disques durs externes, vous prenez votre disque à vous, comme ça, si jamais vous allez au cégep, vous pouvez promener avec votre disque dur, vous pouvez ramener votre travail au cégep, donc on pourrait aller sélectionner notre disque dur. Je vous conseille énormément dans votre disque dur ou dans la zone, c'est de vous faire un dossier cours. Dans ce dossier-là, moi, j'ai créé un dossier qui s'appelle CW1. Vous pouvez mettre Conception Web 1 si vous voulez. Moi, j'aime bien le raccourci CW1. Vous allez avoir des cours CW1, CW2, CW3. Donc, essayez de toujours mettre vos éléments là-dedans. Et bon, j'avais déjà fait une petite vidéo pour présenter WebStorm. Bon, j'ai un dossier ici. Simplement, moi, dans CW1, je vais me créer un nouveau folder. Je crois que si on est en PC, l'icône doit être en haut ici. Mais vous allez voir, c'est New Folder. On va se créer un nouveau dossier. Et je vais l'appeler Exercice 01. OK. Lorsqu'on crée un dossier, on ne met jamais de caractère accentué. On ne met jamais d'espace. On peut jouer avec les majuscules, ça fonctionne. On peut jouer avec des soulignés comme ça, des underscores. On pourrait aussi travailler avec des tirets. Donc, jamais d'accent,
jamais d'espace. Pourquoi? Parce que lorsqu'on arrive sur le web et qu'on rentre notre adresse URL, il transforme les accents et les espaces avec des transcriptions, avec des pourcentages. Et là, c'est très difficile à lire, ça devient très, très compliqué. Donc, on essaye d'éviter d'avoir des accents ou des espaces dans nos noms de dossiers et même dans nos noms de fichiers. Okay. Donc, je vais faire créer un nouveau folder, un nouveau dossier. Et là, je vois bien, j'ai pour mon premier dossier formation et j'ai mon exercice 01. Donc, moi, je vais sélectionner exercice 01, je vais faire Open. Et là, on voit bien que je suis dans User, Formation, Document, Cours, CW1, exercice 01. Je crée mon nouveau projet de cette façon-là. Je peux aller voir tout simplement ici, je vais me créer un nouveau une nouvelle fenêtre pour le Finder, comme l'explorateur un peu dans Windows. Je pourrais aller juste voir dans Documents, Cours, CW1, Exercice 01, j'ai mon dossier ici. Je n'ai pas encore de fichier de créer, mais je vois bien que mon dossier, il est à la bonne place. Bon, c'est déjà, je suis à la bonne place. J'ai ici le nom du dossier Exercice 01. OK, je peux aller voir ça. Si je fais le petit triangle, il n'y a rien parce que je n'ai pas encore créé de fichier. OK, j'ai créé un projet complètement vide. Première chose, première étape qu'on va faire, c'est se créer notre première page web. Donc, on peut aller soit dans le fichier File New, mais il faut faire attention, il faut être sélectionné à la bonne place. Moi, je vais être dans le dossier Exercice 01. Donc, je peux faire File New Project ou aussi avec le bouton droit de la souris sur le nom ici, faire bouton droit New. Et moi, je veux un nouveau fichier HTML. OK? Donc, je dois avoir un nouveau fichier HTML là-dedans. Il m'ouvre une petite fenêtre. Et là, c'est le nom. OK? Le nom de la page web. La première page web d'un site web s'appelle 99% du temps index.html. OK? Le .html, il va le mettre tout seul. Donc, je peux simplement l'appeler index. Et c'est de type HTML5, donc la dernière norme d'HTML qui évolue avec le temps aujourd'hui. Donc index.html ou juste index. Et je fais retour de chariot, le Enter sur le clavier. Et on voit qu'il m'a créé dans mon dossier exercice 1, je suis un peu décalé, un fichier qui s'appelle index.html. Je retourne voir dans le Finder pour voir et voilà, j'ai index.html qui est apparu ici. Je peux voir que mon fichier et à la bonne place. Et là, on a la structure de notre page web. Donc, on va commencer à regarder notre structure ici. Je grossis un peu mes caractères. Je vais arranger ma fenêtre comme ça ici. Donc, ce qu'on peut voir, on voit ici une première ligne qui s'appelle le doctype. OK, j'ai parlé de HTML5. C'est la nouvelle norme HTML5. Lorsqu'on crée un nouveau site web, on va y aller avec la norme HTML5. Et le doctype veut dire faire référence au HTML5. Ça veut dire que pour que le navigateur comprenne ce que veut dire les balises, ben les balises, c'est quoi? C'est comme body ici, c'est la balise head ici, okay? Une balise ouvrante, balise fermante, c'est la balise HTML. Ben il doit y avoir un doctype, il doit avoir une définition. Lui, là, quand il va lire la page, il va dire, OK, head, ça veut dire quoi? Il va aller lire le doctype. Dans le fond, c'est un fichier, il va aller récupérer tout seul et il va faire une référence à ce fichier-là. Il va dire, OK, le head, ça veut dire telle chose, le body, veut dire telle chose. OK, donc c'est comme un dictionnaire pour les balises. Donc, première balise, ça c'est notre première balise, le doctype ici. Première balise qu'on a toujours dans un site web, c'est le HTML. Okay? Le HTML est comme toujours présent. Donc, tout notre site web va être à l'intérieur des deux balises HTML. Toujours, toujours, toujours. Okay? Et on voit ici la langue. La langue, on va aller mettre la langue FR. Okay? Pourquoi? Ben, quand vous allez ouvrir votre page web, et si vous laissez EN, comme il est écrit, ben lui, il va considérer que votre page est en anglais, puis il va vous demander, surtout sur Chrome, il peut vous dire, « Hey, voulez-vous, la page est en anglais, est-ce que vous voulez la traduire en français? » Bon, moi, je vais dire que non, ma langue que je vais utiliser pour ma page web, c'est FR. C'est sûr que si vous faites une page web en anglais, ben vous allez mettre EN, il n'y a pas de problème. Mais si jamais vous faites une langue en mandarin, en japonais, vous mettez ici la langue qui devrait être utilisée par le navigateur. OK. J'arrive ici, j'ai une autre balise qui s'appelle le head.
OK, donc ici, j'ai le head. Cette balise-là, elle est mise, elle n'est pas affichée dans une page web. Donc, tout ce qu'on met dans le head, on ne le verra pas directement dans le viewport d'un site web. OK? Si je m'en viens ici, je m'en viens revoir ma page web. Ce que je parle du viewport, là, c'est cette zone-là ici, la zone toute blanche comme ça ici. Mais en réalité, tout ce qui est dans le head, on ne le verra pas. Mais la balise head, elle a une balise ouvrante, puis elle a une balise fermante. Donc, tout ce qui est compris ici, on ne le verra pas. À l'intérieur du head, on a une balise meta de type charset. C'est les caractères, la table de caractères qu'on veut utiliser. Comme nous, on utilise du français, ben on va avoir des accents. Okay? On va avoir des accents, le CCD, on va avoir toutes sortes de caractères pour le français, mais il existe aussi des caractères pour le japonais, pour le mandarin, pour l'arabe. Donc, aujourd'hui, la table de caractères qui est utilisée dans à peu près tous les sites, c'est la UTF-8. Elle comprend toutes les caractères qu'on peut utiliser aujourd'hui qui sont connus. Donc, c'est sûr qu'éventuellement, il y a des ajustements à faire. À un moment donné, je ne sais pas où vous étiez, mais quand l'euro est apparu, l'euro, c'est une monnaie qui ne fait pas très longtemps qu'il est apparu, ben, il y a eu le caractère euro. Il a fallu ajuster pour pouvoir afficher l'euro sur les sites web. Okay, donc, ici, on a une balise et c'est une balise auto-fermante. Okay, pourquoi auto-fermante? Je n'ai pas de balise comme ici, slash meta. Okay? Cette balise-là, elle est auto-fermante. Elle a un charset. Donc, le charset, c'est un attribut. L'attribut, on le sait, on met toujours un espace. Donc, l'attribut égale, guillemets, la définition de ce qu'on veut mettre dans charset. Donc, dans ce cas-ci, moi, c'est UTF-8. C'est la table de caractère UTF-8, le nom de code pour cette table-là. Ensuite de ça, on a le fameux title ici. Le title, c'est quoi? C'est ce qui est écrit ici, OK? Intégration web. Si j'avais expliqué un petit peu, l'intégration web, on le voit pour l'onglet. On peut aussi les ajouter à nos favoris. Quand on ajoute à nos favoris, ça va être ce nom-là qui va être là. Et ça va être aussi le nom qui apparaît. Mettons, je m'en vais sur Google et je cherche automobile. Automobile. OK? Automobile en direct. Et on voit ce qui est inscrit ici. OK, ce sont vraiment ce qui est écrit sur les titles. Donc, il faut vraiment que ça soit super bien défini pour que moi, j'aie le goût de cliquer sur ce lien-là lorsque je vais voir des recherches avec Google ou avec d'autres engins de recherche. OK, donc ici, le title. Donc, il faut absolument mettre un titre ici. Donc, moi, j'ai écrit intégration web pour l'exemple que j'ai ici. OK. Comme ça ici. Ensuite de ça, j'ai le body. Je vais juste faire des retours de chariot. OK. Je vais comme ça ici. J'ai le body. Le body, c'est la partie sur laquelle on travaille pratiquement le plus. C'est là où on va mettre tout notre contenu qui va être apparent sur notre site web. Donc, on a la balise body ouvrante et on a la balise body fermante. Donc, principalement, c'est là-dedans qu'on va travailler, nous, pour pouvoir faire apparaître des textes ou des images dans notre page web. Donc, on va aller chercher notre texte pour pouvoir créer les balises. Donnez-moi 30 secondes, je récupère l'adresse. OK, l'adresse web, je vais vous mettre ça soit dans les commentaires de la vidéo ou sur le site de la formation. OK, je m'en viens ici. Bon. Je vais coller l'adresse web, pas obligé de la prendre en note. Vous pouvez la prendre en note, mais ça devient compliqué. Je vais vous la mettre en commentaire dans la vidéo, comme je vous dis. Et je fais Enter là-dessus. Et bon, c'est un lien sur un Google Drive que j'ai partagé. Et j'ai des textes ici que je peux ouvrir. Donc, je vais cliquer sur le texte pour l'exercice. OK. Et je vais simplement copier ça. Je fais CTRL-C ou CMD-C. Si vous êtes sur Mac, et je m'en viens ici, et je vais coller le texte simplement comme ça ici. OK? Je peux faire des retours de chariot si je veux. OK? De cette façon-là. Bon, j'ai un premier ici. J'ai un deuxième paragraphe ici. Et donc, on voit que mon texte est un petit peu long.
OK? Il y a deux, trois possibilités si je veux que mon texte fasse le retour à la ligne. OK? On voit ici, habituellement, là, la ligne qu'il y a là, c'est l'affichage standard qu'on aurait. Donc, ici, on voit les caractères qui dépassent de l'affichage standard. On peut aller, si on veut, on peut aller ici faire bouton droite. OK? Pas sur les numéros, mais sur la zone grise. On peut faire bouton droite et on peut faire un soft wrap. OK? Un wrap, c'est... Il va prendre la ligne, il va essayer de la continuer, mais quand il n'y a plus de place, il va revenir ici et il va faire le retour de la ligne. Donc, quand je vais agrandir mon texte, on voit que mon texte, ben, il descend de plus en plus en bas. Donc, ce qu'il me permet à faire, c'est de me dire, ah, je ne le veux plus, le soft wrap, ben, il va s'écrire sur une seule ligne. Ça, c'est des préférences à vous. C'est vous qui voyez comment vous voulez travailler avec votre texte. On peut le laisser sur une seule ligne ou on peut l'avoir sur plusieurs lignes. Ensuite de ça, une autre façon qu'on pourrait faire, c'est aller dans code et reformater le code. Reformat code. Okay? Donc, on peut faire le raccourci. Moi, c'est le Alt Command L. Et on voit que là, présentement, ben, il ne fait pas un soft wrap. Là, okay? Il a vraiment coupé la ligne vu qu'elle dépassait ici, et il est venu la porter là. OK, on va voir que ça n'a pas d'importance présentement, donc on peut le laisser comme ça, ou simplement aller chercher le soft wrap. J'ai fait un CTRL-Z pour ramener en arrière, et je peux faire un soft wrap comme ça ici. Comme ça, quand je grandis, ben là, mon texte va venir se positionner un en dessous de l'autre. OK, donc j'ai mon premier texte ici. Je voudrais voir la page web. OK, il y a une nouveauté dans WebStorm que j'aime bien, que j'ai essayé. OK, qu'on peut essayer. On pourrait venir ici. On pourrait cliquer. OK, on clique là et il va m'ouvrir ça dans Chrome. Je peux l'essayer pour voir. Ça clique ici et on voit, ça m'a ouvert ça dans Chrome ici. Et voyez le texte, qu'est-ce qu'il a l'air? Hein? Il est tout pris dans un pain. On revient là-dessus dans pas long. Problème que j'ai avec ce bouton-là, que j'aime un peu moins, c'est qu'à chaque fois, et ça je le vois très souvent dans les étudiants vont faire quelque chose ici et ils vont recliquer dessus. Et là, vous voyez, j'ai comme deux fenêtres qui est ouvertes. Et puis là, ben, on revient, on fait des modifications, je reclique dessus, et là, je suis rendu à trois fenêtres. Et là, on peut voir ça, là, des étudiants qui font ça beaucoup, beaucoup. Et ils se ramassent avec 4, 5, 6, 7, 8, 9, plein, beaucoup de fenêtres comme ça, OK? Donc, je vais en fermer quelques-unes. OK. Habituellement, ce qu'on devrait faire, c'est de dire, OK, je vais faire cliquer dessus, je l'ai une fois. Et mettons qu'ici, j'écris Benoît. Ben, je ne vais pas recliquer sur le bouton. Je vais simplement aller ici et rafraîchir ma page et le Benoît va être apparent ici. Donc ça, c'est une façon de faire, OK? Essayez d'éviter de plus possible de cliquer plusieurs fois sur le bouton. Vous allez avoir beaucoup de fenêtres. Bon, après ça, c'est vous qui travaillez, hein, vous pouvez vous amuser à fermer les fenêtres, ça ne me dérange pas, mais on essaie d'éviter ça. Par contre, ce qui est agréable, c'est que vous pouvez aller aussi dans Firefox, dans Safari, dans Opera. Il faut les avoir installés d'abord. OK? Souvent, lorsqu'on travaille en web, on va installer... Bon, c'est sûr, pour Safari, il faut avoir un Mac, mais on va installer toutes les versions pour pouvoir les essayer dans plusieurs navigateurs, voir si on a des problèmes dans les navigateurs. Mais il y a un nouveau truc qui existe dans WebStorm. C'est le debug. OK? L'affichage en debug. Donc, présentement, moi, je suis dans l'exercice, je vais faire exprès, je vais sélectionner la page que je voudrais lancer. OK? Pas parce qu'elle est ouverte, là. Si elle est ouverte, c'est plus ou moins correct. Il faut vraiment que j'aille sélectionner la page ici. Et je peux faire un Run Debug. Il y a plusieurs façons de le faire. Il y a par le menu Run Debug, il y a le majuscule Alt D, où je peux simplement ici faire bouton droite, et faire un debug de index.html ou je peux aller aussi sur l'onglet ici et faire le debug.html. OK? Moi, je vais passer par mon projet. Je vais faire ici un debug. OK? Et je le lance. Ce que ça fait, OK? Ça m'ouvre un autre Chrome. Là, vous allez voir, j'ai comme deux Chrome. J'ai un Chrome avec lui et j'ai un Chrome avec lui. Pourquoi qu'il fait ça? Ben, ce Chrome-là, il est spécial, OK? Premièrement, c'est marqué Localhost. Ça veut dire que c'est un serveur. Il appartient à un serveur virtuel, OK? Un serveur, là, habituellement, c'est à l'externe. C'est vraiment un ordinateur sur lequel on va déposer nos fichiers. Là, il nous en a fait un localement. OK? Je vais simplement mettre ma page comme ça ici. Je la rapetisse.
OK. Je vais aller chercher mon WebStorm et je vais le rapetisser aussi. Comme ça, on va pouvoir voir ensemble les modifications qui sont à faire. Je vais fermer ma fenêtre de projet en cliquant sur projet. Comme ça, j'ai plus de place. Et on voit que quand j'ai lancé le Debugger, il m'a ouvert ici un onglet Debug. OK? Et on pourrait éventuellement déboguer des pages en JavaScript aussi. Moi, je m'en sers présentement pour pouvoir modifier ma page. Donc, j'arrive ici et je me dis, OK, je veux ajouter Benoît, B-E-N-O-I-T. Et là, vous voyez, il s'est mis à jour tout seul. Je n'ai pas eu rien à faire. Donc, si j'efface comme ça fait juste Ben. Donc, ça me permet d'éditer ma page et de voir le résultat tout de suite. Ça, c'est vraiment agréable. Ça, c'est vraiment le fun. C'est une nouveauté que j'aime bien pouvoir utiliser ça dans WebStorm. Donc, par où j'ai fait ça? C'est lorsque j'étais dans ma fenêtre projet, sur le fichier que je voulais lancer, on lance habituellement index.html et j'ai fait bouton droit dessus et j'ai fait debug. Si je veux arrêter le debug, ben je peux aller ici et faire le bouton rouge, j'arrête le debug. Donc, quand je vais écrire ici Benoît, ben il n'apparaît plus dans ma fenêtre, ce qui est un peu désagréable. Par contre, je peux relancer le debug ici et simplement rerun index.html, ouais, et là, il se met à jour, et quand je vais l'enlever, ça va l'enlever aussi. OK. Ce qu'on peut remarquer, lorsqu'on commence, j'ai mis du texte, et pourtant, ici, j'ai mis des caractères pour séparer mes paragraphes. Mais ça n'a absolument rien fait dans ma page web. OK. Les caractères de retour de chariot ici, je peux en mettre plusieurs, ça ne change absolument rien dans ma page web. Hein, on a dit que le HTML, c'était un langage de balise, donc je dois baliser mes éléments pour qu'on les voit un peu mieux. OK? Donc, mettre du texte comme ça, ça ne fonctionne pas. Encore même, le lien ici que j'ai pour pouvoir cliquer dessus, ben il n'est pas cliquable présentement. OK, je m'en viens ici et c'est que du texte sans rien d'autre de plus dessus. Ça n'a aucune action. OK, bon. Je vais descendre ma fenêtre ici de debug un petit peu pour avoir plus de place. Parfait. Donc, il manque quelque chose là-dedans, c'est des images. Donc, je vais pouvoir commencer aussi à aller chercher des images. Donc, ici, lorsque je m'en viens dans ma fenêtre projet, je vais aller me créer un dossier images. Et là, le dossier, je dois le faire sous exercice 01. Donc, je vais cliquer pour sélectionner exercice 01, bouton droit, nouveau directory. Donc, un nouveau dossier. Et je vais l'appeler image avec un S parce qu'il y a probablement plusieurs images que je vais utiliser. Dans ce dossier-là, c'est là que je voudrais aller porter mes images. Donc, je voudrais aller retourner sur mon premier Chrome ici, où j'avais mon texte. Je vais faire la flèche pour fermer le document. Excusez-moi, je m'en viens ici dans l'onglet et j'avais déjà ça, bon, ça l'a ouvert. Je m'en viens dans Images, dans le dossier Images. J'ai deux images, OK, deux images que je voudrais mettre dans ma page web. Je vais les télécharger toutes les deux. Fermez le message ici. Donc, je vais télécharger mon image web.jpg et je vais télécharger mon image, mon logo, j'ai une faute ici, mon logo HTML-CSS-JS. OK, j'ai téléchargé les deux images. Et là, ben, c'est selon votre système d'exploitation. Moi, je vois dans mon Chrome sur Mac mes deux images ici. Je peux aller faire afficher dans le Finder ou, si vous préférez, c'est l'explorateur en Windows. Donc, je vais aller voir. OK, mes deux images ici, ils sont dans le dossier téléchargement. J'ai mes deux images, puis je vais en profiter ici. Là, il n'y a pas de S à logo. Ça serait un logo HTML, CSS. Ou c'est les logos, ouais, c'est peut-être plutôt ça. J'avais bien raison de mettre un S. C'est les logos pour le HTML, le CSS, donc c'est plusieurs logos. Donc, ce que je veux, c'est de prendre ces deux fichiers-là. Donc, j'en sélectionne un, majuscule, je sélectionne l'autre. Donc, les deux sont sélectionnés. Je peux faire, dans mon cas, c'est Command-C ou Ctrl-C. Je vais faire un copier. Et je peux aller dans WebStorm, ici, dans le dossier d'image, et faire un Commande V ou Contrôle V, un coller. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux vraiment copier les images dans le dossier d'images? Oui, refactor, c'est ça que je veux faire.
Parfait, j'ai mes images qui sont ici. Si je retourne dans mon dossier ici, hein, j'ai mon index.html, j'ai mon dossier image que j'ai créé et j'ai les deux images à l'intérieur. Donc, et voilà, on a nos images ici. Autre chose qui est intéressant dans WebStorm, c'est que je peux double-cliquer sur une image JPEG ou PNG et il va l'afficher. Hein. On voit, il y a un onglet qui est arrivé ici, un onglet JPEG, comme ça ici, une image JPEG, et l'autre image avec les logos d'HTML, CSS, JavaScript. Donc, on peut aussi utiliser ça. Donc là, je suis prêt à commencer ma page web pour pouvoir intégrer ce que je veux. Bon, premièrement, je vais aller récupérer mon autre Chrome. Ça ici, j'ai mon exercice ici. Je vais fermer ma fenêtre de projet. Je le sais à cette heure que je suis bien installé. Parfait. Première chose que je voudrais faire, on avait vu, c'était une ligne en haut. Il y avait une ligne en haut. OK. On va aller ici et on va se commencer notre balise. Il y a plusieurs façons avec WebStorm de taper les balises. On peut faire le caractère plus petit. Et là, il va me donner la liste des balises qui existent. Donc, je pourrais aller la sélectionner et dire, OK, c'est HR que je veux, OK? Donc, si je ne m'en souviens pas, je pourrais faire ça. Je peux même commencer, mettons, je m'en viens ici, je peux commencer à taper H. Puis là, ben, il va me sortir toutes les possibilités avec HR. Si je fais HR, et là, on le voit, parfait. Il me dit, hey, c'est celle-là. Une fois que je l'ai, je peux faire retour de chariot, le Enter, là. Je peux faire retour de chariot, et voilà. Il m'a écrit la balise, il m'a même fermé ma balise ici. Et ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il nous a ajouté une belle ligne ici. Donc, si je mets ma souris dessus, on voit bien que c'est cette ligne-là qui est apparue. OK? Je m'en viens sur body, ça prend tout le body. OK. Je voudrais ici insérer une image. OK? Une autre façon de taper. OK? C'est de taper, si vous connaissez la balise par cœur, parce qu'éventuellement vous allez connaître par cœur, la balise, balise image, c'est IMG. J'ai commencé à faire IMG et je fais tabulation. La tabulation, là, c'est la touche qui est à côté du Q. La lettre Q, il y a la tabulation qui est juste là et je fais tabulation. Et on voit qu'il m'a déjà écrit ma balise image, OK? On le voit ici, le caractère ouvrant et le caractère fermant. Il m'a écrit l'attribut source, quelle image que je veux aller récupérer, et l'attribut alt, qui est le descriptif de de l'image que je vais utiliser. Donc, je m'en viens ici, je vais aller chercher le logo ici, OK. Si on regarde bien où est-ce que je suis situé, mon index.html se retrouve directement sous l'exercice, je peux aller vous le montrer, je m'en viens ici, je recule d'un dossier, j'ai index.html, je suis dans l'exercice 1, les images sont à l'intérieur d'un dossier images. Donc, ils ne sont pas directement ici, les images, ils sont dans un autre dossier. Donc, ce que je vais faire ici, je vais être obligé de dire quel dossier je vais aller chercher mes images. Donc, je vais faire im, et là, il me donne déjà, hein, il a reconnu, lui, qu'il y avait un dossier qui s'appelait « Images ». Je ne suis pas obligé de tout taper « A-G-E-S », OK? Et ça, c'est une très bonne habitude de ne pas taper au complet, parce qu'on peut faire des fautes de frappe. Donc, j'ai déjà tapé « IM », j'ai le bon choix, c'est celui que je veux. Je fais « Retour de chariot »,« Enter », il me complète le mot lui-même. Et il n'y a pas de faute là-dedans, j'ai pas oublié de mettre le S, j'ai pas fait une faute de frappe à quelque part, donc c'est merveilleux. Ensuite de ça, je suis dans le dossier image, je dois mettre une barre oblique pour séparer du nom du fichier. Donc je fais barre oblique, OK? Moi ma barre oblique elle est au-dessus de la tabulation, il va falloir le trouver sur votre clavier. Donc image, et là je peux commencer à taper le nom de l'image que je veux, moi c'est le logo que je veux, donc je vais faire L. Puis même juste avec le L, j'ai rien à faire. Il m'a déjà donné mon choix. Je vais faire simplement retour de chariot. Je peux venir avec la souris, cliquer dessus, qui est un peu long, mais ça fonctionne. Mais si je fais simplement retour de chariot, et voilà, il m'a mis l'image, OK, la bonne image ici. En fin de compte, il a complété le nom qui était là. Donc, on voyait que c'était le logo. Donc, vous voyez que ça va quand même assez vite avec un logiciel comme ça pour taper.
Ensuite de ça, l'attribut alt, OK, il est obligatoire. Ça, là, il faut absolument remplir tout le temps. On ne peut pas laisser les guillemets vides comme ça. OK? Donc, qu'est-ce que j'ai ici? C'est logo pour le HTML, CSS, JavaScript. OK? C'est une image qui contient les trois logos pour le HTML, le JavaScript et tout. Et si on vient voir ici, ben on voit notre image qui est apparue. OK? C'est parfait. Donc, petite chose qu'on pourrait remarquer ici, j'ai ma ligne en haut. OK? La ligne, elle prend tout l'espace au complet. Mon image, elle, ne prend pas tout l'espace au complet. Vous voyez ici, cet 1, là, ben, le mot, cet 1 est venu se coller sur mon image. Si je m'en viens ici sur la balise image, si je m'en viens sur le HR, comme ça ici, si je m'en viens sur la balise image, comme ça, on le voit, OK? Lorsque je prends la balise HR, on voit que ça prend tout l'espace au complet. Bon, il manque un petit truc ici. On verra ça pourquoi plus tard. Et si je m'en viens sur image, elle ne prend pas tout l'espace au complet. Elle prend juste la grandeur de l'image. Donc, il y a assez de place pour rentrer des mots ici. Et si j'agrandis la fenêtre, ben, on voit qu'il y a assez de place pour rentrer plusieurs mots à côté. OK? Donc, petit jargon, on appelle une balise comme ça une balise de type bloc. Et si on arrive ici, on appelle ça une balise de type en ligne, inline, donc qui me permet d'avoir des éléments à côté. Il ne prend pas toute la place. Donc, dans la maquette que j'avais, moi, on avait mis un nouveau HR. Donc, tabulation. J'ai dit ici simplement HR et je fais la tabulation, la touche qui est à côté de la lettre Q. Et il me complète. Hein? On voit aussi, le HR, c'est une balise auto-fermante. OK? Je pourrais l'écrire de cette façon-là. On n'a plus besoin de ça aujourd'hui, de faire ça. C'était un vieux, c'était pour du XHTML. Aujourd'hui, on tape les balises, on ne met plus le slash. La même chose pour l'image ici. C'est une balise auto-fermante. J'aurais pu faire un slash. On n'est plus obligé de faire ça aujourd'hui. On va s'éviter de faire ces affaires-là. Et là, regardez ce qui s'est passé avec mon deuxième HR. Hein, on a dit que ça, un HR, c'était de type bloc, qui prenait toute la place au complet. Donc, ici, il veut prendre toute la place, mais il ne peut prendre pas juste la place qui est ici, il voulait la prendre au complet, la place. Donc, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a descendu d'une ligne. Il a dit, la ligne HR, je descends parce que je ne suis pas capable d'être à côté d'une image, je veux prendre toute la place. Et puis, comment on fait ça pour voir que ça prend toute la place? Ben, en tant que tel, si j'agrandis, on voit que la ligne, elle grandit aussi. Elle prend toute la place tout le temps, tout le temps, tout le temps. OK? Donc, balise HR de type bloc prend toute la place. Si, s'il faut, il va faire un retour de chariot. Donc, il va descendre d'une ligne. Et le HR ici aussi va faire ça. Ici, bon, je veux commencer... à mettre le texte de mise en page de mon texte ici. Donc, on va commencer par mettre une balise H1. Okay? H1, c'est le titre le plus gros qui existe. Éventuellement, on pourrait le modifier avec des styles, mais bon, je vais faire H1 et je vais faire tabulation, okay? Toujours la touche qui est à côté de la lettre Q, et je vais simplement prendre mon texte, commande X ou contrôle X, et je vais le coller entre les deux balises. Hein? J'ai ma balise ouvrante H1, ma balise fermante H1. Parfait. On voit ici une balise H1, c'est de type bloc. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, elle prend tout l'espace au complet. Donc, c'est une balise de type bloc. Okay? La même chose que lorsque je m'en viens ici. Là, j'ai perdu le contrôle là-dessus. Si je roule comme ça ici. Bon, on le voit. J'ai mon H1, HR qui est là. J'ai mon H1 aussi. Donc, pour le deuxième, aussi, je voudrais mettre un titre. Mais là, je vais y aller avec un plus petit peut-être. Un H3, pourquoi pas. Okay, je ne suis pas obligé de mettre H1, H2, H3. Juste H3, peut-être que dans mon cas ici, pourrait faire l'affaire. Donc, je m'en viens, je colle mon texte. OK. Si jamais je me trompe, je me dis « Ah non, en réalité, c'est vrai, je voudrais vraiment avoir le H1 et le H2 ici. » Ben, en réalité, WebStorm est assez gentil, je peux m'en aller ici, changer le 2, et on va voir que la balise fermante, elle a été modifiée toute seule. Donc,
On peut ici carrément changer les éléments, l'élément ouvrant, et il va me changer mon élément fermant. Donc, j'ai mon H2 de cette façon-là ici. Ensuite de ça, j'ai un premier paragraphe. Donc, un paragraphe, c'est la lettre P. Donc, je fais P, tabulation. Je prends le texte au complet. Vous voyez le petit caractère qui arrive ici, là, c'était à cause du le fameux soft wrap qui est là. OK, mais ça n'existe pas comme caractère réellement. Je fais CTRL-X, je le colle ici et j'ai un premier paragraphe. Je veux faire la même chose pour le deuxième paragraphe. Je fais un P, comme ça ici. Je prends tout le paragraphe au complet. CTRL-X ou COMMAND-X. Je le colle ici. Et là, on voit qu'on commence à avoir une ligne, une image, une ligne, le titre H1, le titre H2, le premier paragraphe, le deuxième paragraphe. Le texte qui est ici, ben ça va être autre chose. Okay? On va faire autre chose avec ça. On va vouloir faire un lien. Okay? Je voudrais que je puisse cliquer sur un lien pour m'en aller sur une autre page. Donc, on va... Où est-ce que je veux aller porter ce lien-là? Je voudrais aller l'écrire sur le langage de balise HTML. Okay? Donc, on va aller juste devant le... Je vais écrire la balise Anchor. Donc, c'est le A, tabulation. Hein? On voit qu'ils m'ont ouvert une balise ici, la balise ouvrante pour le A. Et on voit ici la balise fermante pour le A. Donc, le texte qui sera cliquable, celui qu'on va cliquer dessus, c'est le langage HTML ici. Donc, c'est ce langage HTML-là ici, de balise HTML. Okay. Donc, ce texte-là doit se retrouver entre les deux balises. Je m'en viens ici, je mets le texte entre les deux balises. On voit le texte a été transformé. Okay. Le langage de balise HTML, on le voit, il s'est modifié ici. Et là, je vais pouvoir cliquer dessus. Est-ce que ça va aller quelque part? Non, parce que j'ai un attribut ici et que cet attribut-là m'indique où est-ce que je voudrais aller avec ma balise, avec mon anchor avant. Donc, en réalité, j'ai fait ça exprès ici, j'ai pris ce texte-là, je fais commande-X ou contrôle-X, et je vais venir les porter ici entre les deux guillemets. Et voilà, c'est fait. Donc, si je m'en viens comme ça ici, on peut voir le texte. Et là, il est devenu bleu. Okay? Il est devenu bleu, pourquoi? Parce que je n'ai jamais visité cette page-là. C'est comme si je n'avais jamais vu cette page-là. Donc, on peut l'essayer, je m'en viens ici, hein, on voit que c'est un lien, je clique dessus, et voilà, ça m'ouvre les balises HTML et leur rôle. Donc, parfait. Je peux faire retour en arrière. Okay. Et là, il est devenu mauve pâle. Pourquoi? Parce que j'ai, dans mon navigateur, j'ai déjà visité la page. Donc, le navigateur, il sait, lui, quelle page on a visité. C'est ce qu'on appelle le système de cache. On pourrait enlever tout ce qui est dans le cache et le lien redeviendrait bleu ici. Donc, je peux enlever les pages qui ont été visitées et le lien redeviendrait normal. Il me reste une petite chose à faire ici, c'est de mettre une image. Donc, l'image qui me restait à mettre, si j'ouvre mon projet ici, c'était image web. Donc, je le ferme. Je vais ici écrire IMG. La tabulation qui est proche de la touche Q. Et dans la source, ben là, si j'essaie de me souvenir, okay, je me dis, OK, c'est dans le dossier image, donc I, et là, ben, je l'ai déjà, OK, il me donne index.html.idea, on verra un petit peu, c'est pour WebStorm, c'est la configuration de WebStorm, OK, c'est un fichier qui est toujours là. Mais là, il a déjà sélectionné, lui, la première, OK, ce qui est sélectionné, c'est en gris. Donc, je n'ai même pas besoin d'aller plus loin. Je fais juste retour de chariot et voilà, la touche, elle est, le mot est complété. Ensuite de ça, je dois séparer le dossier du nom de l'image avec un caractère oblique. Et je pourrais commencer à taper l'image, mais je ne me souviens pas du nom. Là, je pourrais aller dans projet, aller voir le nom. Je pourrais, mais on pourrait faire quelque chose de plus. Ici, lorsque j'ai commencé à taper ça, je peux faire CTRL, espace. Je tiens le CTRL, puis je fais espace une fois. Il va m'ouvrir l'aide, et là, avec les flèches, je pourrais aller sélectionner le nom de l'image que je veux aller sélectionner. Encore là, vous voyez, je n'ai même pas touché à la souris. Je vais aller chercher avec les flèches, image web,
J'ai fait retour de chariot, le Enter, et j'ai mon image qui est là. Dans le Alt ici, je vais lui indiquer, je ne sais pas ce que je pourrais dire ici, représentation d'ordinateur, pour le web. Pour le web. OK. Voilà, j'ai perdu. Ah, vous voyez ici, j'ai manqué. Je vais faire ça ici. Je vais mettre ça comme ça. OK, ici, j'ai un guillemet double. Donc, ça doit finir par un guillemet double. J'ai mal tapé mon texte un peu. Il faut que je fasse attention. OK, on arrive comme ça ici. Et si je reload ma page comme ça ici, et voilà, j'ai ma page de cette façon-là. Ici, j'avais comme une erreur d'affichage. Je peux simplement ici reloader, rerun le index.html et ben, il va me recharger ma page ici. OK. Et voilà, on a notre première page web de fait. OK. Tous les éléments ont été mis à l'intérieur de la balise body. OK. Si je sélectionne body ici, on voit, il m'a mis body ici. Donc, tous mes éléments visuels que j'ai à l'écran se sont mis là. Les éléments non visuels sont ici, mais je vois bien que intégration web est affichée dans l'onglet quand même. OK, mais ce ne sont pas des balises qui sont visibles dans le viewport du navigateur. On a vu aussi des balises auto-fermantes, ça veut dire qu'ils n'ont pas de balises pour fermer, comme un H1 ici a une balise pour fermer. Le HR, lui, n'a pas de balise auto-fermante. Image n'a pas de balise auto-fermante, donc des certaines balises. On a vu la balise Meta qui n'a pas de balise auto-fermante. Ensuite de ça, on a vu des balises de type bloc. Okay? Si je sélectionne le HR ici, ça veut dire ça, c'est d'un type bloc. Il prend l'espace d'un bout à l'autre, pas du viewport, mais de l'élément parent, donc de body. OK, mon élément parent, c'est body ici. Ben, je prends l'espace de tout ce que body peut faire. Et là, si j'agrandis ma page web ici, ben, comme body agrandit, la ligne HR va aussi s'agrandir. Par contre, on a des éléments de type inline. Ici, si je sélectionne mon image, on voit la sélection. OK, et il y a encore de l'espace ici. Si j'agrandis encore là ma fenêtre ici, ben, mon image ne prend pas tout l'espace. Donc ici, si j'avais du texte, je pourrais avoir des images une à côté de l'autre ou de pouvoir mettre du texte là. Ensuite de ça, j'ai encore une ligne ici, ce qui me permet justement de faire mes séparations. Comme cette ligne-là veut prendre tout l'espace, elle descend. Ensuite de ça, j'ai un titre de niveau 1. Et ce qu'on voit là en beige ici, c'est sa marge. Okay? Un H1 n'est jamais collé. Un H1, je parle de tous les titres, H1 jusqu'à H6, ne sont pas collés un sur l'autre. Donc, il y a toujours une marge. Donc, par défaut, cette marge est là. J'ai un H2 ici, encore là, avec une marge. J'ai un P ici, toujours avec des marges, parce que les P... Oh, je vais rafraîchir. OK. Ici, donc, j'ai les P ici. Et j'ai, si on peut voir ici, ma balise A. La balise A, c'est une balise inline aussi, OK? C'est une balise qui ne prend que la largeur de son contenu. Donc, la largeur là, de ma balise A, de tout mon élément A, je devrais dire, ben, c'est la largeur de le langage de balise HTML. Et on le voit, il y a du texte, il y a de la place pour mettre du texte avant, et si je grandis ma fenêtre, il y a même du texte après. Donc, c'est ce que ça veut dire inline. Ça veut dire qu'on peut avoir du texte avant et après. Tandis qu'à comparer d'une balise bloc, une balise bloc prend tout l'espace, on ne peut pas. Donc, ici, j'ai un paragraphe, ça prend tout l'espace. Ici, j'ai un autre paragraphe, ça prend tout l'espace. Mais la balise A, elle est à l'intérieur du paragraphe. Elle ne prend que l'espace des lettres qu'elle occupe. Et pour finir, ben, en fin de compte, j'ai une image. Une dernière image ici, OK, que je peux aller sélectionner. Et pourquoi le texte ne vient pas? Parce qu'il y a de la place. À cause de la balise P, qui, elle, veut prendre toute la place, le texte n'est pas visible à cet endroit-là. Donc, voici la première page web que vous allez faire. Donc, vous allez pouvoir l'essayer, essayer de comprendre tous les éléments qu'on a introduits là-dedans. Donc, c'est la première page que vous allez réaliser avec la vidéo.